Ces enseignantes portent masque à cause des odeurs nauséabondes dans l'école. Ces odeurs sortent d'un restaurant situé à l'angle de cette rue. Depuis l'incendie d'un appartement au-dessus du commerce, des scellés avaient été posés pour interdire l'accès au bâtiment. Le restaurant qui vient de subir un incendie ne pouvait pas, en tout cas, faire évacuer ses marchandises dans des congélateurs qui avaient été sans doute arrêtés en alimentation électrique. Donc ces denrées alimentaires sont entrées en putréfaction et ont donc provoqué ces odeurs nauséabondes qui rendaient le travail dans l'école absolument insoutenable. Depuis mercredi, la mairie de Cayenne avait donné l'ordre au personnel de l'établissement sous sa responsabilité de rentrer chez lui. Mais l'école est restée ouverte. L'inspecteur académique a refusé de libérer les enseignants et les élèves. Le SNSA dénonce l'attitude de l'inspecteur qui n'a pas en tout cas pris la juste mesure de la situation. Un parent d'élève a pourtant fait le choix de récupérer son enfant dès mercredi. En fait, vu le problème des odeurs qui sont vraiment nauséabondes, j'ai pris la décision de récupérer mon fils mercredi parce qu'il est inadmissible que des enfants en bas âge puissent rester dans une salle de classe avec des odeurs toute une journée. Les enfants devraient retourner à l'école lundi si les odeurs disparaissent complètement ce week-end.